Salut les fans, on parle de la prophétie de certains prophètes ce matin. Parlons-en. Ok, on commence. En 2022, il y a un pays francophone ici en Afrique. Même si on jeûne et prie n'importe comment, leur chef d'état va se coucher et il ne va pas se réveiller. Oh pays, je suis peur. Un pays francophone. Oh wow. Oh wow. Prochain candidat. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2020? Il n'a absolument aucune chance. Quoi? Il n'a absolument aucune chance. Dégage, ça va devant moi. N'allez pas, mon type. Pasto, tu dis qu'il n'a aucune chance de faire quoi? D'arriver vivant à l'élection présidentielle. De faire quoi, Pasto? D'arriver vivant à l'élection présidentielle. Bang, 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 bang. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ah! C'est pas possible. Ah, ça, mon frère, tu crois vraiment à ces prophètes-là? Jamais de la vie. Et toi, la main? Jamais, jamais. Ah, et vous, les gars? Jamais, 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 jamais. Continuez. Continue. Ok, prochain candidat. J'étais dans l'avion, j'ai fait un songe. Et le songe, là, parlait de quoi, passe? J'ai vu Samuel Eto'o devenir un grand politicien au Cameroun. Godness! Non, prophète, on écoute un peu bien. L'église sera visitée. L'église au Cameroun, c'est l'année du relèvement. Dieu va relever l'église. Amen. Pasteur, tu parles de quel genre d'homme politique? Amen. Dieu qui a agi chez Georges Weah, pourquoi ne sera-t-il pas le Dieu de Samuel Eto'o? Hé, Pasteur, ta prophétie a failli être vraie, sauf qu'il est président des footballeurs et non des Camerounais. Ah! Quel peuple, Nengeni, le peuple, il va se comprendre le tête tout pousse. Quel peuple! Le plan politique que chacun attache à sa ceinture. Massa, la prophétie, c'est la magie. Les choses de l'esprit sont folies oui. Pour ceux qui sont les hommes animaux. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Renseignez-vous! Impossible n'est pas camerounais. Vous comprenez, non? Continue, passe. Au Cameroun, sur le plan politique, j'ai vu un changement de soleil. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Cette canne qui a eu lieu chez vous a été peut-être tirée au hasard ou selon un agenda de la CAF. Vous parlez quoi? Non, chef, laisse-y continuer. Pasteur, tu parles de quel hasard? Mais ce n'est pas un hasard dans les agendas de Dieu. Et pourquoi Dieu a permis que le hasard arrive au Cameroun? Je crois que Dieu a voulu, chers Camerounais, orienter une fois de plus les yeux du monde vers vous. Pourquoi? Parce qu'il veut à nouveau attirer les regards du monde vers vous. Impossible n'est pas Camerounais. Waouh, Makoso, attends un peu, non? J'aimerais prophétiser. Ok, vas-y, on t'écoute. Dieu a des choses à dire et à faire avec le Cameroun. J'ai vu quelqu'un qui ne faisait pas de la politique sortir et venir. Et quand la personne est venue, on l'a élu. Hey! Préparez-vous. Ha, on se prépare. Il y aura quoi, papa? Dieu va élever des voix apostoliques et prophétiques des Camerounais et des Camerounaises qui vont brandir tout haut le drapeau du royaume, mais aussi de votre nation. Ça, c'est clair. C'est pas toujours le pasteur qui disait que Samuel Eto'o sera président de la République. Ici me revient la vision que j'ai eue dans l'avion. J'ai vu cette pierre venir et je l'ai vue avec le ballon au pied. Eh oui! Quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce que tu prophétises que ce footballeur sera président? Non, ne tourne pas mon frère, réponds à ma question. Je n'ai pas dit ça. Ah, après on va dire... Tout ce que je dis... Voilà, dis-nous! C'est que Samuel Eto'o a un destin politique au Cameroun. Écrivez ça, la pierre dont je parle est à la FECA Foot actuellement. C'est au maudit matin, midi, soir. Je prenais l'avion de Paris pour rentrer. Et j'ai fait un songe. Moi, je ne rêve pas. Ceux qui me connaissent savent, je ne fais pas des rêves. Ah, donc tu songes plutôt alors? Je ne songe pas. Okay, tu dis même quoi finalement? Tu rêves plutôt? J'ai fait un songe. Moi, je ne rêve pas. Quoi? J'ai fait un songe. Moi, je ne rêve pas. Massa, tu as fait un songe, mais tu ne songes pas. C'est ça? J'ai fait un songe. Je ne songe pas. Quoi? J'ai fait un son, je ne songe pas. Hein? T'es trop bête. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Bref, continue. J'ai vu cet homme dans une carrière politique. Voilà, avant de continuer, je voulais rappeler ceci à mes fans. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui veulent se faire belles, qui veulent se rendre belles, et elles ont peur de ce qu'on appelle le Ndjansan. Moi-même, je ne conseille pas moi le Ndjansan à mes soeurs. Donc, je vous conseille, mes amis, de vous rendre rapidement sur la chaîne YouTube Astuce Jackie. Voilà, c'est une dame gentille qui a créé un concept pour vous permettre d'entretenir votre peau d'une manière naturelle. Donc, allez sur sa chaîne, abonnez-vous et regardez ses vidéos parce que c'est très important.
Étant chez vous, vous pouvez composer vos propres produits à partir des vidéos que vous allez regarder, entretenir votre peau, je vous dis bien, naturel. Vous pouvez également apprendre à faire les décorations, comment décorer vos maisons. Vous savez, il y a beaucoup de foyers qui se divisent comme ça parce que la femme est un peu villageoise. Donc, allez regarder ces vidéos, ça va beaucoup vous édifier. Elle vous forme également comment cuisiner. Hein? C'est très important, non? Rendez-vous rapidement sur la chaîne YouTube. Les astuces Jackie et abonnez-vous. C'est bénéfique pour vous les filles. Voilà, j'ai laissé le lien en description. Cliquez sur le lien pour ouvrir rapidement sa chaîne YouTube. Ok. Pasteur, tu disais que Dieu t'a dit quoi? Et Dieu m'a dit ce que j'ai fait avec Georges Ouéa, ne puisse pas le faire avec lui. Quoi? Bah, ça même, Edo est dépassé. Hein? Hey, Pasteur, donc tu es en train de faire la prophétie là que Samuel Eto'o sera président au Cameroun, un peu comme George Weah, hein, qui est président, ancien footballeur au Liberia, c'est ça? Quand cette image est donnée, ce n'est, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera président. Hey, laisse les gens. Pasteur, et dans l'image là, hein, Samuel Eto'o était quel genre d'homme politique alors? Mais il sera un homme d'État, il sera dans la politique. Hein? Il sera dans la politique. Toi ton problème c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Moi-même je suis dépassé. On met les organes. Non mon frère, pardon, on ne met pas les organes. Hey, tu vas mourir d'AVC, hein. Tout ça c'est le manga, hein. Seigneur jusqu'à quoi? Wow, Fingon, le manga, comment on ne dit pas les choses comme ça? Passo, un message pour tes frères. Bénissons le président, bénissons le Cameroun et nous bénissons votre peuple au nom de Jésus Christ. Amen, oh, s'abonnez-vous. Cet épisode a été présenté par Vouri TV, Le Compass Las Vegas, Manda Crea et Easy Market. S'abonnez-vous! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.